Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après le nouveau match nul concédé face à 3 à domicile, 2 buts partout après avoir mené 2-0, il y a vraiment deux poids deux mesures, fin de saison très compliquée, mais il y a deux réactions très opposées après cette fin de saison très compliquée, surtout après ce match nul catastrophique contre 3. Marquinhos déjà, réaction très bizarre, très peu ambitieuse, le match contre le Real Madrid et cette nouvelle remontada et cette élimination en 8e de finale de Ligue des Champions a fait beaucoup de mal au mental de Marquinhos qui ne sait plus réellement ce qu'il dit en conférence de presse ou en zone mixte. Buteur lors de l'ouverture du score en début de rencontre, Marquinhos et le Paris Saint-Germain ont finalement concédé un nouveau match nul très capricieux au Parc des Princes contre 3, 2 buts partout. Pour le capitaine du PSG, cela ne semble pas bien grave en cette fin de saison. Je le cite, « On avait le contrôle du ballon, mais des détails ont fait la différence dans le résultat. On ne joue pas grand-chose en cette fin de saison maintenant. On est champion, on joue pour le plaisir et on essaye de gagner pour terminer la semaine tranquillement. Mais bon, on n'a pas gagné, on avait quand même le contrôle du match, on a essayé de faire de bonnes choses. Juste le résultat n'était pas le meilleur possible », a-t-il déclaré. Donc apparemment, Marquinhos est vraiment très ailleurs, déjà en vacances. J'ai l'impression que voilà, l'ambition de Marquinhos est tombée un petit peu très bas. Alors que le terrible constat de Marco Verratti, qui répond un peu, hein, quelques minutes après, à la déclaration très bizarre de Marquinhos, hein, Marco Verratti pas du tout satisfait de ce match nul hein, de dimanche soir. Le PSG n'a pas su faire mieux qu'un match nul face à 3, déjà assuré du titre en Ligue 1. Les coéquipiers de Marco Verratti ont livré une prestation assez décevante. Au micro de Prime Video, Marco Verratti a tenu à vider son sac sur la saison très difficile du club de la capitale. Et il aurait aimé voir une équipe plus soudée cette année, surtout en cette fin de saison. Et donc répond un petit peu à la déclaration très surprenante de Marquinhos en disant « Je pense que ce sont des matchs où il faut prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est gagner et jouer bien comme une équipe. On est à un moment très tranquille dans la saison, on n'a pas de pression et c'est pour ça qu'on doit prendre du plaisir à jouer au football. Quand tu es libre dans ta tête, tu peux prendre du plaisir. On arrive en fin de saison et nous, on sort toujours des matchs en étant énervé. Ce n'est pas la chose dont on rêve en fin de saison. Surtout quand on est déjà champion. Je pense que sincèrement, on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Surtout en tant qu'équipe, dans les moments difficiles, on pourrait être mieux. C'est une saison très dure au début, c'était très dur et on a gagné les matchs vers la fin. C'est vrai qu'on a beaucoup changé l'effectif, ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité. On doit quand même gagner des matchs. C'est difficile de créer un grand groupe quand on change beaucoup. On s'est battu contre Madrid en faisant 150 minutes très bien. On gagne le championnat, c'est bien, mais il faut tout donner ensemble pour ne plus avoir de regrets. On a connu des situations plus difficiles que cette année. On s'est peu entraîné ensemble. J'ai l'impression que les 6 premiers mois sont passés vite sans qu'on ne joue ensemble. Entre les voyages en sélection, les blessures, c'était très difficile. Je pense que le match à Madrid, il nous a tués comme les supporters mentalement. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre du plaisir sur le terrain et rendre des copies comme on les rend depuis quelques semaines. Voilà, hein, Marco Verratti en a vraiment gros sur la patate et répond un petit peu aux propos de Marquinhos. Alors Marquinhos, je ne sais pas ce qui lui arrive. Je pense que lui aussi, réellement, le match contre le Real Madrid, c'est la défaite de trop, c'est l'élimination de trop, c'est la remontada de trop. Voilà, même si c'est un joueur exceptionnel, avec un état d'esprit exceptionnel, j'ai l'impression que voilà, maintenant il est un peu ailleurs et que cette troisième remontada lui a fait très mal. Aucun joueur du PSG n'est venu saluer le virage Auteuil. C'est la première fois que ça arrive cette saison. Donc voilà les postos maintenant. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.